Hey les fanons, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi comme d'hab, je vais pas être la fameuse j'espère que vous sur aujourd'hui les fanons. C'est même pas un nouveau let's play, c'est même pas un nouveau épisode, c'est une vidéo détente, la vidéo détente numéro 13 sur aujourd'hui un nouveau jeu qui est Crazy Quiz. Crazy Quiz qui est un jeu mobile, on peut l'avoir sur Android et iOS. En fait, iOS, je ne suis pas sûr parce que moi je joue sur Android, donc regardez-vous si vous l'avez iOS. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Crazy Quiz? En fait, c'est un jeu dans lequel on va devoir accomplir des niveaux. On a 100 niveaux et le but c'est de ne pas se tromper sur un niveau et de ne pas être fou dans ce jeu. Et donc du coup, en fait, j'ai retrouvé ce jeu dans le Play Store par hasard et du coup, je me suis lancé mon propre défi. C'est, oui, je me lance mes propres défis. C'est de réussir le jeu en moins d'une heure. C'est-à-dire que, en moins d'une heure dans le Mobizen. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je peux mettre sur pause le Mobizen, mais j'ai pas le droit de continuer le jeu si le Mobizen est en pause. Donc, du coup, en fait, il faut pas que j'atteigne les une heure dans le Mobizen. Parce que, de toute façon, j'arriverai pas en une heure à faire le jeu. Je devrais faire des pauses pour X raisons. Donc voilà. Et donc du coup, c'est parti. Crazy Quiz. Alors, appuie sur le bouton. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de difficultés. Mets les formes dans leur bon emplacement. Ouais, bon, après, c'est sûr que c'est les premiers niveaux. Alors, j'ai déjà joué à ce jeu et je crois, je sais même plus si je l'avais fini ou pas. Où est la main droite? Elle est là. Et je sais même pas si je l'avais fini. Je me rappelle même plus. Je crois que je l'avais fini le jeu, mais bon. 17 plus 4. Moins 2. Non, plus 2. Bah non. Fois 2. 17 plus 4, ça fait 21. Bah fois 2, bah non. Bah non, ça marche pas. Ah, diviser peut-être. Bon, j'ai toujours été nul en maths. Bon, là, c'est la main droite. Alors voilà, 30 est égal à 12. Donc 30 moins 2, non. Divisé par 2. Où est le carré? Le carré, le carré. Donc ça, ça va. Clique sur la mot de la même couleur. Ben, jaune. Donc ça, ça va, c'est toujours simple. Où se trouve New York? New York, il se trouve là. Quel est le plus lourd? C'est ça. Hop. Allez, niveau 9, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il y a des flèches. Ok, il va falloir éviter les petits monstres. Allez, je suis trop fort, je suis trop fort. Purée, je suis trop fort. Ah, super, une pub. Allez, continuez. Ah, je peux pas continuer? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pause, continuer. Combien y a-t-il de disques? 11. Non, il n'y en avait pas 11. Ah. Hop, alors. Tac. Tac, tac, tac. Tac. Attention, tac, tac. 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 Oui, c'est parfait, je l'ai passé le truc. Alors, combien y a-t-il de disques? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10. Oh non, c'est pas possible. Oh non, mais combien de fois je vais devoir le recommencer celui-là? Mais non! Mais non, mais le bête, mais le débile. Le plus lourd, c'est ça le plus lourd. Oh, c'est pas ça le plus lourd, mais c'est pas possible. L'Espagne, bon, ça va celle-là. Mais comment j'ai fait pour retomber de. D'un coup, de. C'est ça le plus lourd. Du niveau 10 au niveau 7. Hop là. C'est vrai que j'ai pas monté le son, hein. Faudrait que je le monte là juste après le niveau. Parce que du coup vous entendez pas le son du jeu. C'est un peu dommage. Ah, ben voilà. Voilà, ben c'est sympa d'avoir vu la pub. Combien y a-t-il de disques? 12. Toujours pas. Pour l'instant, il n'y a aucun monstre de mon côté. Si. Attention, là. Ah non, non, mais non! Mais j'avais appuyé sur la flèche. Vite, le plus lourd, c'est ça. Allez, pause. Tac, allez. Niveau 10,
Là, je vais prendre le temps. Ah non, c'est niveau 9. J'ai ce niveau là. Comment ça me gonfler? Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Attention. C'est bon. Allez, ça c'est simple. Niveau 10. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas possible. Il va me rendre fou ce jeu. Et oui, le but du coup, c'est de réussir les 100 niveaux sans devenir fou. Et déjà, les premiers niveaux, c'est compliqué. Et si déjà je râle sur les premiers niveaux, qu'est-ce que ça va être après? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je vous le dis, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Le plus lourd. Voilà, un mince, du coup. Hop. Là. Là, là. Là, là. Allez, je suis chaud, je suis chaud. Voilà, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Oui! Purée, je sais compter des disques. C'est parfait, je sais compter. Alors, quelle est la bonne ombre? Celle-là. Je m'en fiche. C'est chiant ça, s'il faut faire pause à chaque fois et continuer. Début du calendrier religieux musulman. Après. De quel pays est originaire? Ah, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Prise de Jérusalem par les croisés, ça c'est après. Guns Roses. Je connais le groupe, mais je connais pas son guitariste. Invention de l'écriture. Avant. Qui est le chanteur du groupe des Pink Floyd? C'est pas Mick Jagger, c'est pas Jimi Hendrix, c'est Robert P. Non, c'était David. Invention de l'écriture. Avant. Qui est guitariste? Ah, oh, purée, je m'en rappelle un peu plus. Je crois que c'est Angus. Voilà. Allez. Vous l'avez vu? Car moi, oui. Niveau 4. Quel est le bon pluriel? Des timbres poste. Non, des timbres poste. Non. Il n'y avait peut-être pas d'S à poste. Bon, ça, c'est plutôt simple. Alors, des timbres. Ah, non. Ah, des tire-bouchons. Ah non, ça doit être la même chose. Ah, non. Par contre, toutes ces pubs, ça va. C'est plus ça qui va me rendre fou, ça fait perdre du temps. Après, il y a des jokers, mais je l'utiliserai pas. Ah non, merde, je me suis trompé. Je suis mal regardé. Quel groupe a vendu le plus de. Ah, les Beatles. J'avais pas regardé. Voilà. Allez, niveau 15. Donc des tirs, bouchons. Gras. Ben non, bouchon, c'est sans S, bouchon. Des tirs. Ah, peut-être non comme ça. Ah non, voilà. C'est ma prof de français, quand même. La tante de la mère de ton petit-fils. Tante de la mère de ton petit-fils. Non, ton fils? Non, j'ai pas. Non, là, j'étais pas du tout concentré. Oh non, demi-heure. Attends, le père de ton fils? Ah, j'ai pas regardé là par contre. Ah, ça va. Le père? Non, la tante. Ça dégage. Père? J'ai toujours voulu être.
Alors, c'est quoi? La mère de la sœur de la mère de ta sœur. Donc, la mère de la sœur, mère de ta sœur. Donc, ta cousine. Bah non, bah non, ta tante, le bête. Des choux-fleurs. Voilà. Alors, l'oncle du père du fils de ton frère. Donc, l'oncle du père du fils de ton frère. C'est ton oncle. Ça tourne, dans quel sens? Ça va là, ça va là. Ça va là. Ils vont faire appui dans l'ordre. Rose, bleu, rouge, blanc, jaune, vert, noir. Je suis trop fort. Peur du sport, non, la peur de la nudité. Au hasard. Quelle forme n'est pas le bon reflet? Ça? La clavicule. Oh non, c'est ça. Ah voilà, j'ai eu peur. Reproduisez le puzzle. Le puzzle. Non, ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça va là, du coup. Là. Ça, là. Comme c'était simple. En quelle année est mort Michael Jackson? C'est 2009. Ne me demandez pas comment je le sais. Ah non, mince, attends. Niveau 24, allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est un jeu de paire. Ah, j'adore ça. Vert, non. Violet, il est là. Rouge, non. Rose, il est là. Vert, non. Arrêtez là. Bleu, donc rouge, là. Vite, bleu. Et du coup, j'ai atteint un palier. Y a-t-il plus de noir ou de blanc? Plus de blanc. Oui, j'ai atteint un palier. Quelle est la capitale de l'Inde? C'est New Delhi. Appuie sur OK. Oh non! Oh non, putain, ça va être dur. Quelle est j'allais dire de la Mongolie, de la Colombie, c'est Bogota. Oh oui! Je l'ai eu, niveau 28. Allez. Combien ça fait? Ça fait 30. Détruit les trois vaisseaux. C'est moi. 19 plus 87. Ça fait 117. Ah non, le con. Oh non. Oh oui, c'est passé. Fait 9. 9. C'était simple. Détruit les trois vaisseaux. Tac. Oui. 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 Parfait. Niveau 30. Un stomatologue est spécialisé dans la maladie des... De l'estomac? Non, peut-être des orteils. Peut-être. On détruit les trois vaisseaux, c'est simple. plus 87, donc ça fait 106. Putain, mais il faut être con pour rater les vaisseaux. Voilà. Là. Et voilà. Donc, un dermatologue, donc ça c'est de la peau. Où se trouve l'océan Antarctique? Là. Il passe pas le niveau 32. Ah si. Pince tableau. Cézanne. Ah non, c'était pas Cézanne. Atlantique du Sud. Ça va là. Donc, qui a peint ce tableau? Ah, je connais pas celui-là. Je veux dire Klimt. Non. Maintenant, le bête, le con. Un stomatologue. Alors, c'est pas de l'estomac, alors c'est des orteils. Et voilà. Et je reviens avec les vaisseaux. Non, non. C'est pas possible. 30. Simple, on l'a eu tout à l'heure. T'as trois vaisseaux. Oui, allez. Néphrologue, je veux dire des cheveux. Mais non, je ne savais pas. Je suis désolé à tous les néphrologues, s'il y en a qui me regardent, de ne pas connaître votre métier. Des oreilles? Non. Voilà. Et c'est pas possible, je rate un vaisseau, mais.
C'est pas possible, encore 30. Là. J'en ai marre. 106 encore. Bon, ça va, c'est bien qu'ils remettent les mêmes à chaque fois, comme ça, tu perds pas de temps. Je vais craquer. Je vais craquer. 152 moins 17. Ça fait 135. Allez, toujours les vaisseaux. Voilà, là, j'ai pas été assez rapide. 9. Oui! Allez, niveau 30. Un dermatologue, donc de la peau. Atlantique du Sud. Qui a peint ce tableau? Donc, ça, c'est Michel-Ange, alors. On se relève les trucs cul. Les trucs cul, elle est là. Quelle figure n'a pas son double? Celle-là. Niveau 35. Oula, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut contrôler. Ah oui, ça va, il faut contrôler le vaisseau. Hop. Ouais, là je suis bon, là je suis bon. Là je suis bon, là les fanons. Là je suis bien. Là je suis bien, là je suis bien. Je suis bien, je suis toujours bien. Toujours, toujours. Regardez ça, toujours. Toujours bien. Et non! Putain, je suis con. Non, le bête. C'est. Elle est là. Allez, je repars avec le vaisseau. J'étais à la fin et je me suis juste trompé de flèche. Mais il faut le faire, ça. Se tromper de flèche. Ça, il faut le faire. C'est incroyable. J'ai compris, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui, ça y est. Allez, petite pause. Et voilà. Bon, ça c'est simple, c'est Mozart. Allez, attention. 4 sur 5 divisé par 2, ça fait 2 sur 5. Comme ça c'est simple. Appuie 50 fois sur le bouton. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas arriver. Ah, dommage. Ça fait 4. Non. Voilà, ah. Ça, c'est William Shakespeare. C'est mettre vraiment Justin Bieber. 1 divisé par 3, ça fait 2. Non. Je suis nul. Ça, c'est Marie Curie. 5 fois 10, ça fait 32. 32 sur 50, non, je sais pas. Stendhal. Et voilà. Je me disais, il y a un souci, mais c'est vrai que j'avais pas mis le son. Alors, 3 plus 3, donc ça fait pas 4, ça fait 3 sur 2. Voilà, va falloir qu'on me réexplique les fractions. Oui. Où est l'estomac? Ben, l'estomac, c'est là. C'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas compris, faut toucher aux bulles. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compté, moi. On avait 18. Mais j'étais sûr en plus qu'il fallait compter. Les poumons. Les poumons sont là. Non. Ils étaient plus hauts, je me suis trompé.
Et je me dis, si tu appuies 51 fois sur le bouton, 51 fois sur le bouton. Ah ça va, tu peux pas appuyer. Donc les poumons, ils sont pas là. Les poumons, ils sont là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18. Voilà. Allez, la suite. Quelle est la hauteur d'une table de ping-pong? 1 mètre. Non. Ah non, 70. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16. Hop. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de basket? 5. Non, merci. Comment dit-on je t'aime en japonais? Ben, désolé pour tous les Japonais, ou pour ceux qui pratiquent la langue et qui savaient. Quelle est la largeur d'un but de football? 7 mètres. Je sais. Oh non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quelle est la distance d'un marathon? 63? Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 encore. Toujours sur le même nombre. Donc la hauteur, je dis 76. Purée, c'était ça. Comment dit-on je t'aime en suédois? Je ne sais pas. Donc 76 cm. Ça c'est plutôt simple. Hein? Comment dit-on je t'aime en russe? Dommage qu'ils disent pas après. Alors, pas 63 mètres, c'est 42. Voilà. Alors, comment dit-on je t'aime en allemand? C'est Ich liebe dich. Je remercie H, la série H, pour ça. Où est l'étoile à 6 branches? Voilà. Niveau 44. Il va falloir retenir, je pense, les couleurs. Quelle couleur était l'étoile? Elle était rose. Ouais. Quelle paire n'est pas identique? Celle-là. Où est Vénus? Oh non, mais je m'en souviens jamais. Je crois que Vénus. Non, oui, voilà, c'est ça. Pose un doigt sur le cercle. Ah d'accord, faut pas que. D'accord, j'ai compris. Faut pas que les balles touchent le cercle. Et oui, c'est parfait ça. Je suis trop fort. Niveau 48. Quel alcool y a-t-il dans un pico nada? Du tequila. Non, je sais pas. Vite, 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 non. Non, 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 et voilà. Et voilà. Donc, Bloody Mary, je sais pas, du gin. Non, je connais pas. Je sais pas, je vois pas du tout d'alcool. C'est pas possible. Mince, j'ai levé mon doigt. Purée, le bête, j'ai levé mon doigt. Oui, Jupiter, 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 c'est ça. C'était pas du tout ça. Père qui n'est pas identique. C'est là. Donc Vénus, là. On pose un doigt sur le cercle toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà.
Le doigt sur le cercle, parfait. Alors, dans un long Island iced tea. J'ai pas de la bière. Je m'y connais pas en alcool. C'est pas possible. Et tu vas voir que je vais perdre le défi. Juste à cause. J'allais dire de l'alcool. Celui-là, j'avais pas vu venir par contre. Oui, Mars. Quoi, c'était pas Mars ça? Zut, j'ai mis sur pause la paire qui n'est pas identique. Celle-là. Mais il faudrait peut-être que je remette le son au jour. Uranus. Ah non, c'était pas Uranus. Me suis trompé. Où se trouve la Terre? Bon, franchement, celui qui se trompe. Celui qui se trompe sur ça. Attention, là. Là. Non! Putain, le milieu pile. Mais c'est pas possible. Alors, Uranus. Uranus, c'est là, alors. Et moi, je voudrais rester là pour faire mes devoirs. Mathéo, il a des devoirs à faire. Fais ses devoirs. On va jouer au tableau de là. Maman, elle est malade. Mathéo, il a des devoirs. On ne meurt pas en une seule fois. On ne meurt pas en une seule fois. Ah oui, il est 1h41 déjà. Oui. J'en sais rien. Et rien de demander. Ouais, le doigt sur le cercle, toujours. Ça... Bon, par contre, j'ai oublié de mettre sur pause, donc j'ai perdu 2-3 trucs. Alors, Uranus. La paire. La Terre. Oh, je pense oublier qu'il se trompe dessus. Et voilà. Bon alors, je sais pas, de la vodka. Oui! Combien y a-t-il de carrés? Alors, 1, 2, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. Non, il y en avait 5 alors. Du gin. Ouf! Alors, 1, 2. 3, 4. Moi j'en vois 6. Hein. Maintenant, là, il y en a 5. Un pina colada, il y a du rhum. Bon, ah, purée, c'est pas le même carré. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 4. Il y en avait 5.
Toujours 5. Un pina colada. Là, tu sais quoi, même pas, j'ai réfléchi, j'appuie sur 5. Un mojito. Un tequila. Oh, purée. Franchement, je sais pas si je vais y arriver en moins d'une heure. Parce que 30 minutes. Parce que. Non, mais le bête. Putain, je suis pas concentré. Parce que 30 minutes. Parce que 30 minutes. Je suis pas du tout concentré. Parce que 30 minutes. Et j'ai même pas encore atteint le deuxième palier. Ça va être trop dur. Hein. Triangle était là. Là où est Vénus? Pas du tout. Mais je suis plus du tout concentré là. En fait je me dis, purée, j'ai lancé un défi quand même. Et là je vois que je patauge. Bon, Uranus, c'est simple. C'est fou parce que je sais quelle est la plus petite, quelle est la plus grande, mais. Je sais pas du tout où elle se place. Mars. Putain, c'est là où j'ai un doute. Putain, c'est une catastrophe. Même mon petit frère, il peut faire mieux. Saturne. C'est juste que je suis pas du tout concentré. En fait, faut vraiment que je reste au centre, parce que là, plus je bouge, plus il peut y avoir de balles. Je vais dire qu'ils sortent de tous les côtés, mais à part ça... Voilà. Allez, 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 allez. Non. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Oui, allez. Pina colada, du rhum. Ah. Donc c'est carré là. Là, il y en a 5. Voilà. Tu as une chance. D'accord. Mais en tout cas, j'ai eu le palier. Alors, trouvez la paire identique. Celle-là. Et celle-là. Allez, 63. Moins. 57. 54. Oula, j'ai dû faire une grave erreur. Bah mince. Bah mince, bah mince. D'accord, donc tu as une chance sur une. Sur deux, pardon, de gagner. Et j'ai gagné. Hop. Pas compris. Ah, purée, toujours cette paire idée identique là. Celle-là. Non. Celle-là et celle-là. Mais j'ai fait une connerie encore. Bon, c'est bien parce que je gagne. Donc, encore, je me dis ça va. Mais parce que je les regarde pas toutes. C'est ça le problème. Je suis pas assez concentré. 74 plus 15. Quel signe? Attends, de quel signe est-on si on est le 3 novembre? C'est pas Scorpion, c'est Balance. Pas du tout. 111. Je sais pas, 99. Ah, voilà. Ah bah oui, c'est un chiffre entre. Putain, le con. Taureau. Non, c'était Gémeaux. Et 85. 57. Né le 28 février. On n'est pas poisson. Hein. Si, on est poisson. C'est ça le piège. De quel provient cette feuille d'un platane? Eh oui, je suis trop fort. Allume l'ampoule. C'était plutôt simple. Quel est ce poisson? C'est un bar. Pas du tout. C'est avec mon grand-père, il m'aurait dit, purée Mathéo. Oh, purée.
pas tout le temps ça. Faut trouver la bonne combinaison vite. Je fais n'importe quoi. C'est pas possible. C'est bien derrière, mais... Oh oui, au hasard. Ça c'est une, ça c'est un rouquet. Moi de macaron. Macaron. Un rouquet, moi, un rouge, j'allais dire. Quel est le nombre premier? 4. Pas du tout. Quel est ce poisson? C'est un par. Pas du tout. Oh, mais voilà. Quel est ce poisson? C'est une perche. Pas du tout. Attention, vite. Oui, c'est bon. Ouais. Ok, ce poisson, c'est macaron. Quel est le nombre premier? 13, alors. Je comprends pas pourquoi. Combien de côtés un octogone? Bah, 8. Mets la boule dans le trou. Oh, oh non. Attends. Non. D'accord, mais j'ai compris comment on le lance. Un dodécagone, 12. Non. À côté. Un pentagone, ça en a 7. Pas du tout, ça en avait 6. Le nombre premier, 11. Un heptagone, 7. Non! Un énandagone, 11. Putain, je vais bloquer sur ça, quoi. Un hexagone. 6, 5, non, 6, 5. Un peu plus, 18. Pas du tout. Une truite. Pas du tout. Ah putain, encore allumé l'ampoule. Allez, c'est quoi la bonne combinaison? Vite. De quel arbre provient cette feuille? Le laurier. Attends, peut-être comme tout à l'heure. Tac, non. Oui. Quel est ce poisson? Un cabillaud. Quel nombre premier? Donc 7. Un icosagone, 20. Toujours pas. Un pentagone, donc. Non. 6. Pas du tout. Quel nombre premier? 9. Donc, c'est pas la truite, c'est pas le macoro, c'est le hareng. 15. Pas du tout, ça devait être 17. Donc, le hareng. Non, le bête, je me suis trompé. Attends, comme tout à l'heure, peut-être. Non, 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 non. Putain. Le frêne. Je régresse. Le 15 octobre, tu balances. Le laurier. Hop. Allez, l'ampoule. Non. Attends. Non. Non, 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 non. Il faut vraiment faire n'importe quoi dans celui-là. Le laurier toujours.
Oh purée. Le cabillaud, pardon. Le nombre premier, donc c'est 17. Un octogone, 8. J'ai mis la boule dans le trou. Quelle lettre de l'alphabet se trouve en numéro 15? C'est le K. Non, c'était le O. Purée, le bête, c'était le O. Bon, ça c'est 11. Eh ben non, ça va reprendre encore 3 heures pour que je mette la balle dans le trou. Je suis arrivé. Allez, alors, 15, 20. O, P, Q, R, S, T. Voilà. C'est quel chiffre? Ça? Je sais pas. 12. J. Non. Mais non, L. Mais non, LM. Oui, c'est ça, c'était L. Allez, un pentagone, toujours pas, 7. Mais non, c'était 5. Quel nombre premier? 17. Allez, redonne-moi le pentagone, je te mets 5. Un heptagone. 6. Je sais pas. 41 minutes, je sais pas si je vais réussir à finir tous les niveaux en moins d'une heure. Le macaron. Allumer cette ampoule, je fais que ça depuis tout à l'heure à l'allumer. Alors, Aaron. Voilà, je me confonds Macoro et Aaron. 17. Allez, 58. Octogone, 8. Maintenant, on met la balle dans le trou. Oui! Et 60, c'est quoi? Déjà. 23. Le X. Non, c'est W! Le bête. A, B, C, D, E, F, G, H. Putain, mais comment tu veux savoir ça, toi? Un chiffre romain? Comment tu sais ça, toi? Même, je pense que les profs d'histoire ne savent même pas. Ben, c'est bien, c'est toujours H. Je sais pas. Où se trouve le carré? Ah non, ça c'est l'hexagone. Non mais le con. Mais le con, putain. Mais non, je suis revenu là. Putain, mais je suis vraiment con. 3, donc c'est W. C'est 166. Non. H. Donc là, 666, toujours pas. 15, alors attends, O. 999, c'est lui. Pas du tout. Ouais, alors là, c'est quoi? C'est l'hexagone. Toujours là, toujours. C'est l'hexagone qui était là. Ah, je sais pas. Ben non, c'est. Ben non, c'est maman. Ça m'étonnait. Bon, c'est bien toujours au même endroit. Je sais pas. Ben non. Ah, il est plus au même endroit. Il est là. Perronné. Je sais plus. Non, c'était pas ça. Ben non, c'est pas ça. C'est ça. Non.
Le tibia, voilà. Oh non, je me suis gouré. J'en ai marre, le tibia, là. Qui écrit Roméo et Juliette? William Shakespeare, bon, ça c'est simple. Reste 5 secondes sur le bouton. 5. Que ça? Le rouge et le noir, c'est Stendhal. Ouais. Ah oui, d'accord, moi je compte trop vite. Ouais, le rouge et le noir, ne se suffit pas. Hein? Mais c'est possible pas. Il reste 5 secondes sur le bouton. Ah, purée. Le parfum. Alors attention quand tu marches parce que j'ai... La tarse. Ça va. Le parfum. Donc. Ernest? Non. La rotule. Mais là? Non, c'était peut-être plus haut. Mon hexagone, toujours cet hexagone, il est où? Oh non, c'est pas possible. Ça va. Allez. On m'a appelé plus. 10. Attends, 12 c'était L, donc J. Ouais. Chiffre romain. Toujours pas. 23 W. 945. Mais non, là je suis pas concentré, en plus je l'ai vu. C'est juste que c'est en train de me rendre fou. 1900? Ah, j'hésite. Non, c'était pas ça. C'était l'autre en haut. 20. Putain. Je suis passé du niveau 64 au niveau 59. Je sais pas comment je fais. 60. Allez, 8H. 2010. Non. Mais je vais pas y aller. Mais si je bloque là comme ça, je crois que mon défi, je vais pas y arriver, il va durer 1h30 ça. Ma vidéo va durer 1h30, c'est sûr. Le fémur. Allez. Roméo et Juliette, Shakespeare. Toujours pas. Guerre épée. Ah purée, c'est qui? Je crois que c'est Léon. Non, oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Hamlet. Ah, je sais pas. Non, peut-être. Ouais, c'est ça. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Quel pays n'est pas un membre de l'OTAN? Allez, je suis chaud là. Trouvez l'étoile. Ouh, ça. Quel est le pH du jus de citron? 2,5. Le Tchad. Merde, c'est où ça déjà? Là. Non, c'était pas là. Du jus de pomme. 3,5. Le Tchad, c'est là. Non, toujours pas.
De l'eau de mer, 8. Le Kazakhstan. Ah non, c'était pas là. Du jus de pomme. Du Cuba. Non! Putain de con, j'ai confondu. Je suis allé confondre le Pérou. Cuba, c'était celui qui était plus haut, sur l'île, là. Mais quoi, là, c'est Cuba? Le pH du lait. 3? Trouve l'étoile, vite. Du sang. Oui. Du Kazakhstan. Non. Toujours pas. Du lait. Que j'avais dit quoi? 3? Non, c'était pas 3. Je me rappelle plus. Du jus de pomme. 3,5. Le Tchad. De l'eau de Javel. 14, non. Bon, c'était à peu près simple. Du café, 0. Ah non. Il y avait un piège. Donc de l'eau de mer, on avait dit quoi? On avait dit 12. L'étoile, ouais, petite étoile, comme ça. Du café, il y en a deux. Doit y en avoir 12. Doit y en avoir 12, c'est sûr. Non, il y en a 5. De la bière, oh, 11. Quand même, 11, ça aurait été beaucoup. De Cuba. Donc là, plutôt. Combien ça fait? 1 €. Ça fait 1,40 €. 70, ça fait 1,82 €. Quel symbole chimique du magnésium? Mg. Combien ça fait? 1h27, donc plus 4 minutes. Donc ça fait 1h31 plus 39 minutes. Ça fait 2h02. Non. Du sodium? Je sais pas. S? Non. Donc 1 €. Donc 1,40 €. 1,60 €. 70, 74. Je sais pas, non, c'était pas PO, ça devait être MPM. Alors là, on a 4 euros, 4,40 €, 4,70 €, 4,80 €, 4 euros, non, 5,82 € du magnésium Mg. Alors 1h47 plus de 22 minutes, donc ça fait 2h34. Non, c'est 2h41. Un symbole chimique du chrome. Donc là, ça va faire 5,82 € toujours. Du chlore, donc CH. 5,82 € du chlore, donc CI. Non. On disait que ça va faire 2 h. On va finir, ça va faire 2h44. Voilà. Et tout encore sur... appuie sur tous les boutons. Mais oui, je suis trop fort. Michel roule à 210 km/h. Combien parcourt-il en 20 minutes? Non.
Ah, il roule maintenant à 240 quand même par sortie dans 1h10. Voilà. Quel est le mot masculin? Un oasis. Mais quoi? Pas une oasis? Non, un oasis. Donc il roule à 130 km heure, combien par fortune à 1h30. Voilà. Quel est le mot masculin? Un équivoque? Non, toujours pas. Donc là il roule à 210 km heure, combien par fortune en 20 minutes? Ben, bah non, c'est. Non, putain. C'était 100 km heure qui parcourt. Il parcourait 100 km heure. 56 minutes, je vais rater mon défi. 240, 280. Une météorite. Un astéroïde. Bah, une astéroïde. Moi, ce que je comprends mal le truc. Ouais. C'est pas possible. Tu dis pas. Tu dis pas. Une astéroïde, tu dis un astéroïde? Non, attends. Ah, quel est le mot féminin? Une intervalle. Non, à moins que ça soit l'inverse. Trop compliqué ce jeu. De 160. Ah oui, parcours 300 km. Donc là, il parcourt 540 km. Donc une un gamme un tic. Quel pays a gagné la Coupe du Monde de football en 2002? Argentine. Je n'en savais rien. Donc là, c'est, on dit, une veloute. Non. Non. Bon. Ouais. Vous savez quoi? Regardez. Je suis passé palier 75. Voilà. Donc, un équinoxe. Non. Même si je rate mon défi, je veux finir le bout du jeu. 1986, Italie. Non. Non, il veut pas. Une pétale. Bon, ça, c'est la France. De la Hongrie, c'était pas celui-là. Brésil. Non. Quatre-vingt-dix. Allemagne. Oui. La peau du. Oh, purée. Le seul que je connais pas. Lui. Non. J'ai mis quoi, Allemagne? Lui. Non. 86, Brésil? Non, toujours pas. Deux mille six, Italie. J'en ai marre. Lui, oui, c'est bon. Casser la brique. Pas compris. Du Chili. Lui, non, je ne connaissais pas son drapeau. 86, Italie. Et attention, 3, 2, 1. Et j'ai raté mon défi. Et voilà.
J'ai raté mon défi, mais je vais essayer de finir quand même. J'essaie de finir quand même tous les niveaux. Non, non. L'Indonésie, lui. Non. Toujours pas 82 Argentine. Alors là. Un équinoxe. Non. Toujours pas. Toujours pas. Allez. J'en ai marre de recommencer à chaque fois. Ah. Une intervalle. Une météorite. Une augure. Ben non. Un intervalle. Ben non, ben voilà, c'est ça le mot. Putain de débile. Allez, c'est bon, ça fait. J'ai fait une petite pause de quelques heures, je m'en souviens même plus. Ah, la Coupe du Monde. La France. Les drapeaux de la Colombie, il est là. Casser la brique. De la Hongrie. C'était pas celui-là. Du Chili. C'était pas celui-là. De la Mauritanie. Non. De l'Égypte. Ah, je sais plus. Je sais plus. J'ai cliqué au hasard. Non, c'était l'Italie. Mauritanie. Oui! Mais non, mais c'est pas possible. Puis j'avais même pas bougé le truc. L'Égypte. J'hésite à utiliser un joker en fait pour le cassage de briques. Parce que là, c'est en train de me gonfler. Et pourquoi je fais ça, moi? Mais c'est pas possible! La Colombie. Allez hop. Casse la brique. Mais non, mais c'est pas possible. Je touche le truc. Oui, voilà. Allez, c'est bon. J'utilise un joker, j'en pouvais plus. Quelle est cette note? Oh, purée, en plus, moi je connais les notes. C'est le là. Non, c'était pas le là. Putain, j'ai regardé trop vite. Non, non, je suis retombé là. Ah, mais du coup, comme j'ai utilisé mon joker. Oh, c'est trop bien. Alors, attends. Ré. Fa, je reconnais plus mes notes. C'est pas possible. Attends, sois concentré. Je suis pas assez concentré. Mais non, sol, c'est pas sol. Putain, je suis pas concentré. Je crois que cette vidéo va être la vidéo la plus longue du jeu. Ah non, mais je vous jure. En plus, je suis même pas concentré parce que je dois regarder autre chose en même temps. Et sur un truc aussi simple, ben, j'y arrive. Et du coup, j'ai pas filmé. Alors. Faut vite retenir. Où était la bouteille? Ah, purée, j'ai pas regardé. Ah. Était l'ampoule? Non. La poule, elle était en bas. Je suis plus concentré. C'est la fin de la journée, je suis plus du tout concentré. Plus, le pire, c'est que l'arbre, il était en bas. Il était là. Je vais mettre le marteau, moi. Je fais pas assez confiance à mon instinct. Hein. C'est pas possible. La Bulgarie. Oh là. Non, 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 pas du tout. C'est pas possible. Et la Croatie, là? Non. La Croatie, ici. Et du coup, mes surprises, pour que ça soit pas trop long non plus pour. Parce que si c'est trop long. Parce que déjà, celle-là, ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube.
Hey, 82. Quelle est cette fleur? Quelle est la longueur du côté 12? Du coup, 9. Voilà. Attrape toutes les balles. Oui, c'est bon, c'est parfait. Non! Mince, je croyais qu'il fallait les amener justement vers le puzzle. Non, non, j'en ai raté un. J'en ai raté une plutôt. Ce serait côté 6. Mais non, le bête. Orchidée. Voilà. Je connais les orchidées. 7. Non, toujours pas. Que c'est. Non, c'était pas ça. Putain, la Bulgarie. Là. Mais non. Allez. J'en peux plus en fait. Là, je réponds complètement à côté. Je sais que c'est des mauvaises réponses. Mais je n'en peux peu plus, c'est un jeu qui rend vraiment fou. Ouais. Vaut 85. Allez, 4 pièces manquent. Celle-là. Non! Allez. Non, c'est bien parce que si ça tombe pas complètement, je veux dire dans le trou, ça va, c'est pas grave. Allez, toutes les balles. Hop, hop. Mais non, c'est pas possible. 10, perdu. Oui, je l'ai passé. Quel mot qui est mal écrit? Poème. Où se trouve le Nevada? Oh purée, je connais pas. Là? Non. Non. Je sais pas. Ah non. Ouais, c'est sûr. J'avais un doute. Apparemment. Linolis et non. Quel mot il m'a écrit. Épreuve de nom. La Louisiane. Non, mais je sais pas. Ah non. Sur le coup, il y avait le piège tout à l'heure. Je me suis fait avoir. Oh non, je l'avais eu, purée. Allez, encore que j'attrape toutes les balles. C'est très énervant, les fanaux. Surtout quand tu le rates. Hein? C'est pas possible. À 100% jeune. Ah, je sais pas, je réponds complètement au hasard. Ah non. Non. Allez, mais je vais y arriver. Hein. Non. La Louisiane, c'est pas là, c'est là. C'est pas du tout là. Calme-toi. L'Oregon, là. Oui. Ok. Rouge. 2. 2, 2, tac, 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 tac. Et voilà, niveau 89. C'est quoi comme lettre en braille? Lettre en braille? J'ai rien compris. Jaune. Un, deux, trois, quatre, tac, tac, tac. C'est
C'est quoi comme lettre en braille? J'ai pas compris. Ah, d'accord, ça forme une lettre. Parce que j'ai pas lu. 1, 2, 3, 4, 5, tac. Et voilà, le truc est fait. Pépita, tête de tigre. Donc là, ça forme un E. Non. Je comprends pas. Après, c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune logique dans ce... Mince! Et zut, je me suis trompé. Virginie, là. L'Oregon, là. Allez, je refais le truc. Mais quoi? La Louisiane, c'est là. Oui! Purée, j'en étais sûr. Jeanne, vert, rouge. Purée, là, j'y arrive plus. Je sais pas pourquoi. Là, il y a un truc, j'y arrive plus. Non. Allez. Par. Lui. Voilà, toujours lui. Allez. La Louisiane, là. Et on repart avec le jeu de couleurs. Non! C'est pas possible. Purée, mais c'est pas possible ça. Quatre jaunes. Un rouge, un bleu. Tac, tac. Oui, allez, le jeu de couleurs est fait. Pépita, tête de tigre. Allez, je repars encore avec le jeu de couleurs. Vert, vert, rouge, vert. Vert, vert, rouge. Il n'y avait pas de... C'était pas ça encore. Oui, allez. Alors, jaune, bleu, jaune, rouge. Jaune, rouge. C'était jaune, bleu, jaune, rouge. C'est pas possible. Ah non. Je vais jamais le passer, mais c'est pas possible. Luminescence, non. Je fais pas attention à l'écriture. Je veux juste vite finir ce jeu qui me rend fou. L'Oregon, là. Et allez, je repars encore avec le jeu de couleurs. Alors, bleu. Non. J'ai mal fait, c'était jaune. Ionis, là. Non, toujours pas. Je vous dis, les fans, si je dépasse les 1h20 et que j'ai toujours pas fini le jeu, j'arrêterai là parce que sinon ça va être trop long. Oui, je n'ai pas fini le jeu. Mais au niveau 89, le jeu a complètement bugué. Et je me sens pas de refaire tous les paliers. Et puis surtout, je me sens pas parce que la vidéo dure 1h30 quand même. Ça fait depuis 1h14 que la vidéo tourne. Voilà, je sais même pas si la vidéo va pouvoir sortir sur YouTube. Voilà. Et j'aime bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, activez la cloche. Et moi les fans, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.